del DNA, suite, vous savez, qui se est un disciple de Moura, raison pour laquelle Nietzsche, après l'élection, cette structure donnée à la jeune populaire, ainsi, sans monopoliser la parole, nous considérons pas la première lecture à monsieur le président de la République, Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, c'est maître qui va nous aider à faire cette lecture de la lettre au cap de Mamassi. Par la déclaration israélite par Madame Pascaline Toura, et ainsi de suite pour vous présenter la structure Franco. Elle avait été habillée et voulue par ceux qui ont commencé à penser à réaliser ce projet qui est d'une importance capitale. Je vous remercie. Adressé au président Barack Hussein Obama, président des États-Unis d'Amérique. C'est au ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, RDC. Monsieur le Président, je m'adresse à vous au nom de la liberté d'expression et des libertés civiles et politiques en tant que valeur universelle bafouée en République démocratique du Congo. À cet effet, je tiens à soumettre à votre attention les cas de prisonniers politiques qui croupissent en ce moment dans les mouroirs qui sont les prisons congolaises à cause de leurs opinions politiques. Je souhaite exprimer ma profonde préoccupation concernant la volonté du gouvernement Kabila de modifier l'actuelle constitution afin de prolonger le nombre de mandats du président sortant. Dans cette optique, je vous demande de prendre des mesures immédiates conformément à votre dernier message au Congrès des États-Unis concernant le Congo Kinshasa, afin de protéger la paix ainsi que le droit à l'alternance politique en tant que pilier d'une vraie démocratie gouvernante et non gouvernée en République démocratique du Congo. Les dernières élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu au Congo Kinshasa en novembre 2011 ont été caractérisées par la fraude et le manque de crédibilité des résultats publiés par une commission électorale dépendante, au point qu'il est légitime de se poser la question suivante sur la capacité juridique de la majorité ici de cette fraude massive. Actuel régime politique au pouvoir en RDC peut-il revendiquer la légalité, la légitimité ainsi que l'opportunité de modifier l'actuelle constitution? J'estime que l'actuelle majorité conjoncturelle manque de la légalité, de la légitimité et même de l'opportunité de modifier la loi fondamentale pour se pérenniser au pouvoir. Il est nécessaire qu'il se tienne un vrai débat national sur les limites d'un pouvoir issu d'élections contestables et contestées, ainsi que sur la nécessité de respecter les droits fondamentaux des citoyens congolais qui continuent à être piétinés, un débat que votre administration pourrait soutenir dans le respect de la résolution 2098-2013 du CNSMI, afin de promouvoir la paix et la démocratie en RDC, des valeurs qui préoccupent votre administration, comme témoigne votre dernier message au Congrès concernant la République démocratique du Congo et les ordonnances y afférentes. Il serait impossible de parler de démocratie et droits de l'homme au Congo Kinshasa sans évoquer la question des détenus politiques, une catégorie de citoyens congolais dont je fais partie à cause de ma revendication de la vérité des urnes en RDC.
les tentatives d'obstruction de ma liberté de mouvement, ma détention au CP alors que j'étais député élu de la ville de Kinshasa dans les rangs de l'opposition politique, mon élevant invalidation cavalière en tant que député national, la violation de tous mes droits afin de me neutraliser politiquement à travers un montage politico-judiciaire débouchant sur une parodie de procès politique inique et irrespectueux du droit de la défense. Tout cela a abouti à une condamnation scélérate qui constitue une violation des obligations auxquelles la RDC est soumise au titre du droit international. À cela s'ajoutent les tortures physiques et morales dont je suis quotidiennement soumis et la volonté de me torturer, me déplacer avec ma famille dans une situation de mort civile. Les fausses accusations portées contre ma personne et mon incarcération ne sont pas malheureusement pas des cas isolés. Sous le gouvernement Kabila, un nombre sans précédent de poursuites ont été engagées contre les opposants politiques, les défenseurs des droits de l'homme et des enquêtes à caractère intrusif des services de sécurité sont systématiquement lancées en vue d'identifier les sources et traquer les journalistes qui révèlent des obsessionnels du gouvernement Kabila à réprimer l'opposition politique et son aversion pour toute manifestation publique promue par celle-ci et antidémocratique et ne peut plus durer à l'ère actuelle au moment où l'Afrique a besoin de la normalisation du Congo-Kinshasa après des décennies de guerre et violations massives des droits de l'homme pour qu'un Congo nouveau puisse émerger en Afrique centrale. Un Congo que nous voulons respectueux des libertés individuelles et collectives et capable de profiter de ses immenses potentialités économiques. Au contraire, un Congo qui demeurerait malade économiquement, politiquement et diplomatiquement risquerait de plomber le long pas seulement de la région de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique toute entière. J'estime que les mesures répressives des libertés individuelles, ainsi que la volonté de continuer à détenir des opposants à cause de leurs opinions politiques, constituent des stratégies politiques dangereuses pour les équilibres instables de la région du Grand Lac et une violation directe de l'engagement souscrit à Addis Abeba à l'occasion de la signature de l'accord cadre à Addis Abeba de promouvoir le processus de démocratisation et la réconciliation en RDC. Vous n'êtes pas sans savoir que les réformes nécessaires et urgentes de la justice, de l'armée et des services de sécurité sont volontairement oubliées par les régimes en place à Kinshasa qui persiste dans son inertie décadente dans le but d'occulter ses actes répréhensibles, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée, les abus de droits de l'homme. De même, tous ceux qui dénoncent l'indifférence de leur actuel régime vers les problèmes réels des citoyens congolais, leur pauvreté extrême et généralisée, leur manque d'information devient ipso facto des hommes et des femmes à abattre. Je jure extrêmement préoccupant que l'actuel gouvernement congolais continue d'évoquer des urgences sécuritaires pour justifier les morts des citoyens des armées qui sont immolés sur l'autel d'une prétendue stabilité répressive, comme a été le cas le 30 décembre 2013 et le 22 juillet 2014 à Kinshasa. Les États-Unis reconnaissent depuis longtemps le rôle essentiel du respect des droits de l'homme et des droits civils, politiques dans l'établissement des bons rapports entre les États et surtout entre le peuple. Par conséquent, je prie votre administration à
soutenir la libération des opposants et prisonniers politiques détenus injustement en RDC sur la base de faux dossiers montés par les services de sécurité afin de les éloigner de la scène politique. Soutenir l'alternance et l'alternative politique en RDC, soutenir la tenue d'un débat ou dialogue national sur la reprise du processus de démocratisation de la RDC, poursuivre la protection des droits de l'homme ainsi que les droits civils et politiques des citoyens congolais au nom du droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les traités internationaux relatifs aux droits civils et politiques. Soutenir l'adoption par le Congrès des sanctions contre tout ce qui s'oppose à la relance du processus de démocratisation en RDC, aux droits inaliénables des citoyens congolais, aussi bien de voter, tenir effectivement leurs dirigeants sur la base d'élections libres, démocratiques, crédibles et respectueuses des échéances constitutionnelles. En ce qui me concerne, je suis prêt à payer et je paye déjà le prix pour vivre un jour dans une société libre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération distinguée, fichée le 27/7/2014, et Jean Diomindo Ngala, président national de la démocratie chrétienne, DC, porte-parole de la majorité présidentielle populaire en sigle MPP, prisonnier politique en RDC. Je vous remercie.